Et salut à tous et à toutes, c'est Sam, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel unboxing en compagnie de ma fidèle destrière. Comment ça va, monsieur Sam? Ça galope. Ouais. Et voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing de My Little Box du mois de juillet. J'imagine qu'on va avoir droit à de bonnes choses. J'ai juste enlevé le truc du carton là, pour pas galérer. Donc aujourd'hui, alors attendez. Déjà, petit message, approchez-vous de cette box, collez-la à votre oreille. Si vous la collez très fort, peut-être que vous entendrez la pluie, la mer. Ah. Et voilà. Donc, petit message comme ça. Il y a toujours un petit message. Et la box se nomme coquillage. Coquillage et crustacé. Ah, tu l'as fait bien. Sur la plage abandonnée. Brigitte. Ouais, t'as vu. Après, je connais pas les paroles. Faut pas s'arrêter là. Donc, la box elle se présente comme ceci. Voilà. Ouais. Coquillage. Est-ce qu'on va avoir des coquillages? Attends, on va la coller. Aïe. Merde, ça sonne du coup. Non, j'ai fait exprès. Ah, t'entends tout sauf la mer du coup. J'ai entendu tout sauf la mer. Non, j'ai fait exprès de mettre fort. C'était juste la petite blagounette. Mais non, ça sonne maintenant. T'as plus d'oreilles du coup. Non, c'est ça. Si tu veux faire ton imbécile, fais comme moi. Ou pas. Donc, on va découvrir ça ensemble. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On commence du coup avec ça. Voilà. Viens, on va voir la mer. Donc, je sais pas c'est qui, Kanako, qui a fait ça. Oui, c'est Kanako. Mais si c'est Kanako, elle a quand même manqué cruellement d'inspiration. Bah, elle a fait la mer. Bah oui, mais c'est. Enfin. Je sais pas, elle aurait pu faire un bateau au loin. Enfin, je sais pas. Elle a fait la mer. Elle a fait la mer. C'est tout. Bah, je trouve qu'elle a manqué d'inspiration. Un peu. Ah, voilà, au moins tu reconnais. Un peu. Bon. Laissons Kanako de côté pour l'instant. Ça fait rire bébé en tout cas. Ça fait rire bébé. Que reste-t-il quand on s'éloigne, quand on éloigne smartphone, tablette et ordinateur? Un papier, un crayon et envie de partager des mots plutôt que des emojis. Des émotions plutôt qu'une vidéo virale et du tangible plutôt que de l'immatériel. Avec un vrai timbre collé dessus. Donc ça j'imagine que ça va être des cartes postales. Ouais. Un. Avec une enveloppe. En prime. Alors. Donc un petit truc comme ça. Ouais. Voilà. Avec. Attendez. Donc une carte postale. Comme ci. Mmh. Voilà. Mmh. Et deux enveloppes. Voilà, des enveloppes. En papier. Voilà. Donc pas du papier sulfurisé. J'ai du papier tout court. Il y a un coquillage. Ah, comment ça s'appelle? Attention! J'ai peur. Oh. Et donc on retrouve un coquillage. C'est un bonbon ça. Ça s'appelle un. C'est un bonbon? Ça s'appelle un. Comment ça s'appelle déjà? Un roux-doudou. Ah? Ouais. Est-ce qu'on le goûte? Oui, ça suce ça en fait. T'as jamais mangé ça comme bonbon quand t'étais petit? Non. Non, mais je sais que Renaud en parle. Ah, voilà. Voilà. Et donner un jouet à des pigeons idiots. Doudou, hein. Donner des coups de pied pour de faux. Bah c'est ça un roux doudou. Sus. Dans l'autre sens, ça ah se mange. Ah, mais ça, ça se mange pas ça. Bah non. Ah, d'accord. Ça. Oh là là. Et c'est pourquoi ça se mange pas ça? Ça se mange pas ça en fait. C'est comme ça, non? D'accord. Ça va? Elle court avec la télécommande quoi. Ouais, c'est bon. Mais c'est pas évident à bouffer vraiment. Bref, on met ça de côté. Pour l'instant, temporairement. Ensuite, on retrouve nuit d'été photophore. Voilà. C'est une bougie. Ouais. Les copains. Mais les copines. Surtout les copines. Donc une petite bougie, est-ce qu'on l'ouvre? Je crois qu'elle se moque de toi. Attends, mais c'est parce que j'ai pas d'ongles. Hop, voilà, et elle va être à l'intérieur. En fait, oula, il y a des petites pinces comme ça. Faut la monter. Mais après, faut regarder sur le fascicule. Ok, donc ouais, en fait, c'est ça. En fait, tu fais un sorte de piédestal, genre pour les bougies, et puis comme ça debout. Ah, tu crois que c'est ça? Bah, je pense. Je pense qu'il faut regarder sur le. On saura plus comme ça. Parce qu'avec tes piédestals de bougie, franchement. Mais non, mais après, ça c'est des sachets en fait. Mais non, c'est pour faire comme un lampion. Ah, c'est ça, c'est pour faire des lampions, les copains et les copines. Oui, genre, tu savais. Bah, bien sûr.
Genre t'avais deviné. Bah oui, c'est évident. Tu voulais faire un piédestal. Oui, un piédestal avec un lampion. D'ailleurs, on n'a rien compris. Hein. Mais si, c'est ça. D'accord, allez vite. Tu cherches Schubert. Ah, ensuite. Ça y est, quand il prend son accent portugais. C'est que ça pue du cul. Faire attention. Après, il se transforme en tractopelle. En tractopelle. C'est un peu comme les Transformers, mais. C'est ça, en mode portugais. Big up à tous les potos portugais et portugaises. Si vous regardez la vidéo. Ah, du parfum. Du parfum. Français. Franchement. Connu. Adopte. Ça te sera vachement utile. Merci encore une fois. Bah, à chaque fois, dans chaque vidéo, tu dis que tu pues à tout le monde. Non, ça devient pénible. Que oui, que tu dis que tu pues. Non, que tu pues. Mais c'est ce que je dis, tu pues. Donc c'est la fleur de tiare. Ah. Voilà. Ça change. Donc c'est pas de la fleur de diarrhée. Désolé, c'était facile. Ça doit sentir bon. Bah, adopte en fait, ce sont des parfums 100% français. D'accord. Que je connais très bien. Parce que j'en achète souvent des Adopt, j'ai pris plusieurs senteurs déjà. Et ils tiennent très bien, ils sont pas chers du tout. Et j'aime beaucoup. T'aimes pas? Attends. Bah ça sent Tahiti. Hein. Ouais, si, ça va, ça sent pas mal. En fait, ça sent la. Moi, je connais l'affaire du tiare et tout. Ouais. Ça sent l'été, quoi. Ouais, c'est ça. Ça sent le monoï. Le monoï. Donc, on met ça de côté. Ensuite, on retrouve. Source micellaire enchantée. C'est de l'eau démaquillante. Ouais. Ah, voilà. C'est à Garancia. Oh là là. Alors, ça, c'est de l'or en barre. Oh là là, amazing. Ouh. Non, mais Garancia, ça coûte très cher. Oui. Oui, je te le dis. On se demande pourquoi. Bah, parce que c'est de très bons produits. Voilà, pourquoi. Ensuite, ah, bah, ça, je pense que. Enfin, je sais pas, c'est gros, c'est lourd, donc je pense que c'est bien. Un peu comme toi, quoi. Oui, c'est ça. Donc je sais, donc c'est bien. Dans ce pot, du sable blanc, des îles sous le vent, du sel marin et des fleurs blanches. Pour exfolier délicatement l'épiderme à savourer sous la douche une fois par semaine. Donc une fois par semaine, la douche. Tu t'exfolies, hein. Non, tu t'exfolies sous la douche. Non, c'est pas dit tu prends une douche une fois par semaine, c'est dit non, tu t'exfolies sous la douche. Oui. Alors arrête de comprendre ce que tu veux comprendre. En fait, c'est gommage. Oui, voilà, c'est un gommage. Voilà. Mais donc. Un gommage, c'est exfoliant en fait. Voilà, mais non, mais comme toi, tu prends une douche par mois. Ça veut dire qu'il faut en prendre au moins une fois par non, semaine. J'en prends pas une tous les mois, j'en prends une tous les deux mois. Oui, moi bon, c'est. Mais sinon, ça abîme la peau. Je disais ça. Connu. Exactement, je disais ça pour pas que tu t'affiches, tu vois. Deux mois, ça fait beaucoup. Ah bah, faut le dire aux gens. Hein. Moi, j'ai oui, pas peur, j'assume. C'est vrai. Je suis un peu comme toi en fait pour ça. Ouais, c'est ça, t'as vu. J'assume complètement. On est carrément en top synchronisation, t'as vu. Bah, c'est pour ça, des fois, je comprends dans les queues, tu vois, ça va beaucoup plus vite. Dans les quoi? Dans les fils. Ah oui. Hein, généralement les gens ils veulent rester. J'arrive et puis en fait ouais ils partent. Je suis contente moi, je passe plus vite à la caisse. Oups, ça s'est tombé, donc ça c'est juste les facilités. Avec un petit bochon, bien évidemment, toujours. Voilà. Il est beau. Ouais, il est beau. Il y a écrit My Little Box. Il est pour l'été. Il y a des coquillages, tout ça, tout ça. C'est joli les couleurs. Et, ouais. J'aime bien. Bim badabou. Badabadabou. Après il y a quoi d'autre? Ensuite il y a. Ah. Il y a encore un roux-dodo. Il a le goût de quoi? Ah, celui-là il est ouvert par contre. Il a le goût de quoi le roux-dodo en fait? J'ai même pas capté moi. Non, il n'y avait pas de deuxième roux-dodo. Je sais pas, c'est l'orange. Ensuite, il y a. Donc, ça par contre, c'est le dernier truc. C'est un truc qui se gonfle. C'est un oreiller. Ah oui! Un oreiller pour la. C'est un oreiller pour la plage. La plage, ouais. Voilà. Un non, petit oreiller. Si, c'est un oreiller pour la plage. Pourquoi il y a une fermeture? Parce que tu peux mettre ton portable dedans. Ouais, c'est ça. Bah, je sais pas. Mais oui, tu peux mettre des choses à l'intérieur. Mais si tu le gonfles. Mmh. Attends. Si tu peux toujours. Hein. Bah oui, mais si tu gonfles et que tu pousses avec ton air, avec l'air. Ouais, ben. Et ben. Non, mais ça se gonfle que d'un côté, à mon avis. Ouais, c'est certainement ça. Des deux côtés, ça se gonfle. Derrière aussi, il y a un. Oh, vrai, pour je suis pas gonflé. Il y a là aussi pour. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, en fait, c'est les poches. Non, tu sais pas le gonfler parce que j'ai constaté ça déjà. Non, quand mais on va à la piscine avec non, bébé, la bouée, c'est pour ma pomme. Oui, bah oui. Parce que t'as pas la technique. Ouais, mais j'ai pas les. J'ai les problèmes. Oui, non, ouais. Donc voilà. Donc sur ce, il y a une. Un coussin. Il a pas de souffle. Il a pas de souffle. Vas-y, tu sais quoi, la prochaine fois on va à la piscine, on reste sous l'eau, on verra qui reste plus longtemps. Ah non, j'ai pas mouillé mes cheveux. Contente-toi de gonfler la bouée de bébé. Coucou bébé. La manette d'Xbox dans les mains, normal. Donc voilà, un coussin gonflable pour la plage. Pour la playa. Bam, ça, la playa. En mode Scarface, tout ça, tout ça. Ou la piscine ou la baignoire, je veux dire. Si. Ou le jacuzzi. Si Nap & Son.
Si. Nappenson. Oh là là, qu'est-ce que tu chantes bien. Le soleil et la mer. De les zénith. De les zénith. Bienvenue en Tunisie. Voilà, c'est ça. Donc non, mais voilà, c'est tout ce qu'il y a pour cette box de juillet. Darbuka everywhere. Darbuka everywhere. Vas-y, allez, vas-y, vas-y, allez. Allez. C'était l'instant voilà. Darbuka. Darbuka. Sur ce... non, blague à part. Donc, encore une fois, donc je le redis, hein, ma little box est quand même au-dessus de la Birch Box. Bah oui. Il y a beaucoup plus c'est de fun. Contenu. C'est fun. C'est presque aussi cher et... C'est fun. Voilà, il y a des trucs sympas. Ouais. T'as trois produits. C'est pas pareil. T'as trois produits. Ouais. Autant ils ont leur marque à eux. Ils ont leur marque à eux. T'as même quatre produits. Ouais. Enfin, non, t'as trois produits. Et des goodies. Autant que dans la Birch Box. Ouais. Voilà. Et en plus de ça, ouais. T'as des petits accessoires. Donc un petit coussin bah ouais. gonflable. Des petits trucs pour. Alors, il faudrait qu'ils fassent My Little Box pour hommes. Faites My Little Box pour hommes. Parce que là, comme ça, en plus, j'ai un cadeau. Il y a franchement voilà. un client potentiel là. Non, c'est toi que c'est toi la cliente pour des deux. Ouais, voilà. Donc voler, ouais. Et puis en plus, il y a des bonbons. Alors, ils ont tout compris quoi. C'est, ils ont tout compris. J'ai envie de dire. Voilà. Donc non, je persiste et signe et. Moi, on sait que t'es amoureux de Kanako. C'est bon. Mais je la connais, je sais même pas à quoi elle ressemble. Donc pour te dire. Une japonaise. Oui, mais j'aime bien les japonaises. Voilà. Donc sur ce, les copains et puis les copines, surtout les copines. Portez-vous, voilà, le regard qui tue. Elle a les yeux revolver. Bref. ouais, c'est ça. Donc, je suis même pas mort. C'est comme dans la haine. Non, par contre, non, tu fais mal. Non, mais je fais. Là, sinon, si je fais en comme ça, on voit pas. Ouais, c'est ça. Sur ce, Missy Sams, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aime bien, je suis contente. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? T'es contente? Ouais, franchement, c'est pas mal. C'est le gommage vert. De toute façon, la marque My Little Box, moi j'aime beaucoup leurs produits, ils sont bons aussi. Donc, Garantia, je connais. Adopt, je suis contente du parfum. Et puis, non, je suis contente. Super. Pour passer de bonnes vacances. Voilà, top. Donc, sur ce, les copains, les copines, portez-vous bien. Merci d'avoir suivi ce nouvel unboxing. Quant à nous, on vous donne rendez-vous très prochainement. N'hésitez pas à passer sur jeuxcapte.com et laisser un petit peu commentaire, ça fait toujours plaisir. N'est-ce pas? Darbuka. Darbuka et Weber, toujours. Big up, Gad, si tu nous regardes, on te fait des gros bisous. On sait très bien que t'es assez fan de ce qu'on fait, donc voilà. Ouais, donc, il nous regarde tout le temps. Exactement. Non, mais il donc, vient à la maison des fois aussi. Ouais, on lui fait un petit couscous, tout ça, ouais. Après le spectacle, exactement. Il kiffe. Donc portez-vous bien, à très vite et portez-vous bien. Ciao! Bonnes vacances, salut! Salut!